meilleur bon moment. Je suis en train d'essayer quelques-unes des recettes du nouveau livre de cuisine de Betty Croque-Mort. J'espère que vous aimez les chiches kebabs. Enfin, ce n'est pas encore prêt. Bob remue toujours. Ce soir, pour notre menu de fête, nous commencerons par une purée bien saillante, que nous ferons suivre par une volaille fraîchement rôtie, et nous finirons par une glace froide comme la mort. J'ai intitulé ce petit festin d'atrocité « Enfer son œil ». Des nouvelles fraîches. Dernière édition. Elle m'en fout, je vais crever. Ah, ça suffit comme ça, mec. Je vais te conduire à l'hôpital. L'hôpital. C'est un petit peu trop propre pour moi, ce truc. Ah, tu vas la fermer, danseur, ou tu vas finir par y rester. Je vais aller te chercher de l'aide. Robuck, est-ce que c'est toi? Qui dort? Bon, écoutez, je suis un ancien boxeur. Quel idiot. Danseur, ne t'en fais pas, je te tiens. Accroche-toi. C'est quoi tout ce raffut? Je vous préviens, je vais appeler la police. Faut que tu partes maintenant. Je croyais qu'on devait passer la journée tous les deux. Ça c'était les Vérantraux qui parlaient. Dale Sweeney te dit que tu dois mettre les voiles. Quoi? Oh, crotte. Tu crois que tu peux te taper une bonne femme le soir et lui cracher dessus le matin? Bébé, si tu veux tout savoir, pour moi, tu valais franchement pas le détour. Je t'interdis de me toucher! Tu me rends malade! Pauvre mec, tu me donnes envie de gerber! Non, c'est pas vrai, je suis en retard! Espèce de sale petite tarée! Aucun des problèmes qui minent notre société ne pourra trouver de solution sans la coopération des entreprises privées. Moi et 6 de mes éminents collègues sommes ici aujourd'hui, non seulement parce que nous croyons à ce principe, mais aussi parce que nous avons un passé commun. Nous avons été des sans-abri, même si cela vous surprend. Nous voudrions remercier cette ville qui nous a donné la chance de pouvoir nous en sortir tout seuls. Et c'est pour cela que nous avons décidé ensemble de former la compagnie des sans-domicile fixe et des anciens sans-abri associés. La compagnie des sans-abri associés en petit.
T'es encore en retard. On dirait que le grand Del Sweeney a un peu perdu son frère. Je pourrais perdre la vie, je serais quand même meilleur que toi, Clint. Mais le scandale à l'assurance du mois dernier. Mes amis commencent à m'appeler. Pas que tes amis me dire. Et tu sais, Sweeney, tes jours sont comptés. Tu devrais serrer les fesses. Car l'ultime but de notre association. Occupe-toi de tes fesses pour l'instant, Pépé. Pas même à toi pour s'abriter. Dernière demeure digne d'eux. Pour qu'après toute une vie de peine, ils puissent jouir de l'éternité dans la dignité. Et maintenant, pour préserver mon image d'homme effacé, je vais céder la place au porte-parole de notre association, Mademoiselle Jess Gilchrist. Mademoiselle Gilchrist, s'il vous plaît, vous ne devriez pas plutôt dépenser de l'argent pour les loger en surface plutôt que sous terre? Et nous ne le pensons pas. Mais pourquoi consacrer de l'argent à ceux qui sont morts quand vous pourriez vous en servir pour les sans-abri qui sont vivants? Ça, c'est vrai, il n'a pas tort. La compagnie des sans-abri associés pense qu'il y a déjà beaucoup d'organisations existantes qui procurent des aides non négligeables aux vivants. Des balises dans la nuit, comme Monsieur Coppard aime à... Est-il juste de dire qu'il n'y a pas suffisamment de balises pour vous empêcher de poursuivre ce projet? Ça, c'est votre interprétation de la situation. Je vais vous poser une question. Combien de membres de votre association comptent-elles à ce jour? Est-ce que vous pouvez nous dire à combien va se monter votre... S'il vous plaît. Oh, j'aimerais tant que vous soyez le premier à bénéficier des services de cette association. Ils m'ont coupé l'électricité et mon radio-réveil n'a pas pu fonctionner. Mais peut-être que vous devriez acheter un générateur marchant à l'alcool. Comme ça, vous pourriez uriner dedans tous les matins et avoir de l'électricité pour toute la journée. Non, sérieusement, foutez-moi la paix, Tillman. Non, la paix n'est pas vraiment le terme, Monsieur Sweeney. Essayez séparation. Séparation? Oui. Je ne veux plus jouer à ce petit jeu avec vous désormais. Va-t-il enfin se montrer ou est-il trop occupé à refaire le plat? Oh, pitié. Ne me faites pas ça maintenant, pitié. Oh, très bien. Pourquoi pas dans 5 secondes ou plus tard? Hélène... Enfin, comment vous... C'est terminé. Vous êtes virée. D'accord. Parfait. Alors, si je vous ai bien suivi, je n'ai plus qu'à aller voir le Herald. Parfait. Vous voulez une recommandation? Je veux dire, c'est rare de pouvoir couler un concurrent. La Maison Blanche. Écoutez, je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. Mais tu as des doigts, hein? Et tu as des mains? Et qu'est-ce que tu as? Tu ne reconnais pas le tueur des sans-abri? Je veux que tu te serves de tes doigts et de tes mains, bien sûr, et que tu te les salisses un tout petit peu pour moi. J'ai besoin que tu m'écrives un article. Pourquoi faire? Je ne suis pas un tueur. La seule chose que je suis, c'est un paumé. Mais si c'est pas vous le tueur, alors qui est-ce? Si je te dis ce qui se passe, tu vas penser que j'ai un trou dans la cervelle. Demain, ils vont tenir leur première réunion au cimetière des sans-abri associés. Au cimetière. Va là-bas. Attends qu'il fasse nuit. Et tu verras. Fais-le, je te jure que je te cracherai tout le morceau. Je te filerai même quelques noms. Des noms? Ouais, des gens officiels qui sont de mèche avec ces drôles de fossoyeurs. Retrouve-moi demain soir au coin de la Vin et de Tivoli. D'accord. Attendez une minute. Pourquoi moi? Parce que t'as l'air plus affamé que moi. Il y a un temps pour vivre et un temps pour partir, un temps pour pleurer et un temps pour prier. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Ah, il sera bien. Le Seigneur donne tout et le Seigneur reprend tout. Quelquefois, il oublie le premier point. C'est une triste façon de voir la vie. Enfin, peut-être pas pour vous. Enfin, je veux dire, le Seigneur vous a assez bien servi, hein? Vous semblez beaucoup vous intéresser à cet endroit. Enfin, j'essaie d'en faire un bon article, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mais il n'y a rien ici à part des morts. Pourquoi ne pas les laisser reposer en paix? Et dans la dignité. Ça aussi. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop désarçonné l'autre jour. Il nous faudrait un peu plus que ça pour me désarçonner. Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce qu'il pourrait le faire. Vous devriez rester, vous pourriez faire votre trou.
J'avais plutôt espéré que vous accepteriez de déjeuner. Et pourquoi je voudrais déjeuner avec vous? Parce que je suis beaucoup plus intéressant que tous les gros pontes que vous fréquentez en ce moment. Et que vous serez peut-être intéressé de savoir quel article je compte écrire sur votre chère petite association. Qu'en dites-vous, hein? Ouh, j'adore raconter des histoires. Vous savez, j'avais pensé qu'on irait plutôt dans un gentil petit restaurant. Enfin, ici c'est calme, mais vous n'avez pas à laisser de pourboire. En tout cas, pas d'argent. Alors, je croyais que vous deviez me raconter votre article. Eh bien, en fait, j'avais pensé que ce serait mieux si on attendait d'avoir fini de manger. Et pourquoi ça? J'ai menti. Ce n'était qu'un de mes vieux trucs. J'avais besoin de compagnie. Vous n'êtes pas trop fâché, j'espère. Vous avez déjà gâché mon après-midi. En plus, ça ne fait pas de mal de soigner un peu ces relations. Vous savez, votre chère petite association a vraiment de la veine de vous avoir comme porte-parole. Est-ce que vous me feriez un compliment? Non, mais la plupart des porte-paroles n'ont aucun sens de l'humour et ils ne sont pas aussi jolis que vous. Là, je suis désarçonnée. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas une bouchée? Je ne mange pas de viande. Oh, ne me dites pas que vous êtes végétarienne. Pas exactement. T'es vraiment croqué. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi avant. Tu m'as épuisé. Tu as vraiment envie de me revoir? Bien sûr, j'aimerais vraiment remettre ça. Tu sais, je vais te faire un aveu. Je croyais pas au coup de foudre instantané, mais je sens que je vais me convertir. Tu es le genre de fille avec qui j'aimerais bien passer toute ma vie. Dis-moi quelque chose, loin des micros. Qu'est-ce que tu penses de la compagnie des sans-abri associés? Qui s'intéresse? Oh. Loin des micros. Oui, mais... C'est ta propre conférence de presse. C'est ça que tu voulais. Fais attention avec ça, tu vois. Je viens de décréter un embargo sur les nouvelles. Écoute, j'essayais seulement de faire mon travail. Tu ne m'empêcheras pas de faire le mien. Alors, je suis le genre de fille avec qui tu passerais bien toute ta vie. Je t'ai menti, c'était... pouvoir te soutirer des informations. Qu'elle aille en enfer. Si c'est de là qu'elle vient. Oh, Seigneur Dieu. Orbach! Bon sang. Reste pauvre imbécile. Tu n'y es pas resté assez longtemps. Tu vas me raconter ta petite histoire. Hein? Tu vas me dire tout ce que tu sais. Des noms, tu devais aussi me donner leur nom. J'en ai besoin de ces saletés d'articles pour pouvoir survivre, tu comprends? Ne meurs pas, tu m'entends? J'ai encore besoin de toi.
Comment? Mais vous n'allez pas m'expulser! J'ai besoin d'aide. D'aide? Monsieur Sweeney, vous avez besoin d'un bain. J'ai besoin d'un travail, Tillman. Vous devez plaisanter. Je vais devoir engager quelqu'un uniquement pour nettoyer les traces que vous venez de faire. Vous vouliez me voir? Attendez, attendez. Vous n'avez pas refilé mon boulot à cette espèce de vieux débris? Si. J'ai pensé qu'il était temps qu'un journaliste s'en charge. Je veux que vous alliez faire un tour dans ce nouveau cimetière. Ils vont enterrer cette espèce de tueur. Aujourd'hui? Oui, c'est ça. Vous devriez vous y réserver une place. Bon, écoutez, je ne tiens pas à appeler la sécurité, mais... Mais qu'est-ce que je dis? Je rêve d'appeler la sécurité. Norma, dites à la sécurité de monter. Pas la peine, Norma. Appelez juste l'entretien. Et nous te confions cette âme pour l'éternité. Thank you.
pouvez pas sortir! Au secours, venez vite! Non, Dieu! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi sortir! Ah! Oh! Monsieur Sweeney, c'est gentil de vous joindre à notre dîner. Mais enfin, qui êtes-vous d'abord? Eh bien, ça dépend. Encore récemment, nous étions connus comme ce fameux tueur des sans-abri. Mais maintenant, vous pouvez nous appeler par le mot que vous formerez en mettant bout à bout les lettres majuscules de notre raison sociale. Des goûts? Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu de viande fraîche. Non! Non! Oh mon Dieu! Klinsky! Ne m'en veux pas, Sweeney. Je suis toujours à l'affût des nouvelles fraîches. J'ai pas vraiment faim. Je vais juste picorer. Jess. Je sais. J'ai dit que je ne mangeais pas de viande. J'ai menti. Aide-moi! Sauve-moi, je t'en prie! Si ça ne t'ennuie pas, je vais surtout m'aider moi-même. Elle savait que tu allais être croqué. Craquant, vous ne trouvez pas? Je suppose que ça aura appris à Monsieur Sweeney qu'on ne doit pas aller fouiller dans les cercueils des autres. Mais je me suis laissé dire qu'il s'était lancé dans une nouvelle carrière, celle d'écrivain fantôme. Alors, vous avez toujours une place pour le dessert? J'espère que vous aimez les beignets de cervelle. C'est délicieux.